Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Épisode un peu particulier parce qu'on va pas faire comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on va tester aujourd'hui? On va tester cette chose que je viens tout juste de recevoir ce matin. Je pensais le recevoir dans l'après-midi, donc je m'étais dit je ferai un live comme d'habitude lundi et tout ça. Et là je me suis dit j'ai le temps. J'ai une petite heure devant moi, donc on va essayer de faire ça rapidement. Et on va s'y mettre tout de suite. Alors qu'est-ce donc? C'est comme vous voyez, je viens juste de recevoir le colis, j'ai juste enlevé les informations, voilà, me concernant dessus. Mais sinon, voilà à quoi ressemble le colis. On va se faire un petit unboxing. Le mec, il suit une mode qui est là depuis je sais pas combien de temps. Bref, qu'est-ce que c'est, bébé? Et bah ça vient de... Hop, Borciani. Alors je le prononce très mal. Borciani et Bonazzi. Borciani et Bonazzi, je sais pas comment on dit. Bref, qui c'est donc Borciani et Bonazzi? Eh ben c'est un fabricant italien de pinceaux depuis qui a démarré en 1950, si je dis pas de bêtises. De toute façon, je vous mettrai tout ça en lien. Et je suis tombé sur eux via Instagram et je suis un peu tombé amoureux des pinceaux qu'ils proposaient. Et ils proposaient une nouvelle gamme de pinceaux qui m'intéressait beaucoup, beaucoup et qu'on va découvrir ensemble. Et en fait, si je dis pas de bêtises, enfin, ça avait l'air d'être une nouveauté parce qu'ils ne livraient pas avant début juin. Et je suis même étonné de le recevoir aussi rapidement. Je ne l'ai pas ouvert avant, donc si ça se trouve, j'ai commandé deux pinceaux. Si ça se trouve, j'en ai qu'un et l'autre va arriver après. Je pense pas, mais bon, on sait jamais. Donc du coup, là, je découvre vraiment avec vous. Si ça se trouve, le colis a pas l'air d'être abîmé. Si ça se trouve, voilà, je vais avoir des complications. Donc peut-être que cette vidéo ne servira à rien parce que je renverrai le colis. Enfin bref, voilà. Hein. Et on va espérer que... Here we go. Mais je voulais faire ce petit déballage avec vous pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, les problèmes, c'est que SRSL Italiano, je ne sais pas comment on dit, moi j'ai fait espagnol en seconde langue, mais du coup voilà. Hop. Et là on a un petit carnet de notes, je suppose. Qu'est-ce donc? C'est étonnant d'envoyer ça parce que moi j'ai commandé du pinceau aquarelle, les copains, mais pourquoi pas? Donc ouais, ils sont spécialisés, donc voilà, depuis 1951, j'étais à une année près, j'étais pas si loin que ça. Donc ils sont spécialisés dans les pinceaux, et donc ils ont une gamme Unico qui m'avait l'air fort intéressante. Comme ils lançaient une nouveauté là-dessus, et vous allez voir, le pinceau est assez particulier. Enfin, ça fait comme un traînard, pour ceux qui connaissent un peu, donc c'est très effilé, très très long. Donc je me suis dit, en synthétique, qui est censé imiter un petit peu le petit gris, si j'ai bien suivi, entre petit gris et marte, je pense. Vu que j'avais déjà été bien bluffé par les léonards, je me suis dit, allez, on va tenter un petit peu voir ce que ça donne de ce côté-là. Voir un peu ce qu'ils ont. En tout cas, ils nous ont fait un bel emballage. Ça, oh, c'est fort joli, hein. Bon, je vous avoue, là, moi, c'est un peu Noël, là, hein, tout de suite, là, au niveau de la sensation. Alors, tac, tac, tac. Ah, il y a de l'anglais, parce que j'avoue que l'italien. Unico Infinito, tac, tac, the outstanding, out, putain, ça commence très bien, the outstanding watercolor brush, born from the merge between tradition and innovation. Bah oui, forcément, puisque c'est du synthétique, mais avec tout le côté traditionnel, fabrication traditionnelle, mais avec du poil synthétique, ils ont quand même bien, bien travaillé, de ce que j'ai compris. Perfect tip in patented hydrofibre. Ah putain, ils ont leur brevet de fibre, ok. An iconic design. Ouais, le design, vous allez voir, est assez sympa. Je vais pas les ouvrir. Mais je rigole, bien sûr que je vais les ouvrir. Design for a stunning painting experience. Ça se trouve, ça va pas me plaire du tout. Hein. On verra bien. Par contre, je comprends vraiment pas pourquoi ils ont filé ça. C'est sympa, hein, mais le côté carnet de notes comme ça, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, why not? Why not, écoute. Je m'en servirai pas. Hein. Je vais pas vous mentir, mais pourquoi pas. Et puis, c'est tout. Alors... Et on va ranger ça parce qu'à mon avis j'en aurais plus besoin. J'aurais voulu vous ouvrir le nouveau en dernier, mais ils ont pas. Ah si, ils l'ont mis là. Alors j'en ai pris un énorme, voilà, vous avez les deux séries, en fait, ce sera plus simple, parce que je voulais pas vous donner les chiffres parce que j'avais un doute. Donc la série 850 et 856. Si je me rappelle bien, la nouvelle c'est celle-là. Et j'ai pris celle-là pour avoir. J'ai pas de mouilleurs en aquarelle qui sont hyper massifs. Et j'en voulais un depuis un moment. Et donc je me suis dit, oh allez, on va tenter l'expérience en même temps sur cette gamme-là pour voir ce que ça donne. C'est un peu risqué parce que si la gamme ne me plaît pas, je vais avoir deux pinceaux que j'ai payés pas hyper cher non plus, mais quand même, je crois que j'en suis à entre 25 et 30 euros chacun.
C'était ça à peu près. J'ai payé une grosse cinquantaine d'euros. De toute façon, je vous mettrai tout ça en lien, mais on est à ça. Ce qui est pas cher, hein, ce qui est vraiment pas cher pour du pinceau. Si le pinceau est de qualité pour l'aquarelle, c'est pas cher du tout. Parce que je vous dis, un martre et petit gris, on démarre à 6-7 euros le pinceau, par exemple, chez Raphaël. Et on monte très très rapidement à. Oh putain, il est beau. Il est massif! Oh, aïe, aïe. Ah, avec un petit poil qui dépasse. J'ai toujours le coup, moi, d'avoir des petits poils qui dépassent. Juste, je termine. On était à. Ouais, on démarre à 6-7 euros pour Raphaël, mais vraiment du genre du 3-0, voire du 4-0, vraiment très très fin. Et par contre, on monte pour ce format-là, les amis, je vous le montre vite fait comme ça, pour ce format-là, on monte à une soixantaine d'euros facile. Facile. Mais pour du poil naturel, vu que là, c'est du synthétique. Oh putain. Oh, le bazar, il est trop beau! Putain! Excusez-moi. Hein. Là là, le pied. Gardez le machin. Alors, par contre, le manche est énorme. Ça, c'est du manche de bonhomme. Et donc, ouais, ils ont prévu. Alors, le manche, c'est de la résine, si je dis pas de bêtises. Il n'y a pas de bois. Donc, c'est vraiment que du synthétique. Non, j'avais l'impression qu'il était un peu voilé, mais non, c'est une impression. Et par contre, ce que j'aimais bien, c'est qu'en effet, il a un petit côté. Moi, j'avoue que ça m'arrive souvent de peindre un peu comme ça. Et en effet, il y a une préhension. C'est super intéressant. Il y a une bonne préhension de ce côté-là. Et il y a une très très bonne préhension de ce côté-là, avec ceux qui veulent une face plus plate pour pouvoir, je suppose, poser le pouce ou poser l'autre pour avoir un peu plus de préhension dessus. Donc c'est super intéressant au niveau du design. Et j'avais peur que le côté plastique me rebute un peu, comme le plastique un peu du stylet de l'iPad, qui est de l'Apple Pencil deuxième génération. Le premier, je l'aimais beaucoup au niveau laqué brillant. Et le deuxième, ce côté un peu mat, j'aimais pas du tout. La sensation était particulière. Enfin bref, là en tout cas, c'est sympa. Hein. C'est hyper sympa. Donc série Unico. Donc ça, c'est la série qu'ils ont visiblement depuis entre guillemets un petit moment. Je sais pas depuis quand, mais c'est pas la nouvelle série. Et je vous dis, voilà, vous avez quand même. On est sur du. Si je vous dis pas de bêtises, est-ce que j'ai une petite règle? J'ai pas une petite règle, mais j'ai une énorme règle. Hop! Là, paf, voilà. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? On est sur du tac tac tac. Moi, je crois que j'avais pris du 15 mm au niveau du diamètre et c'est ça. On est même un peu plus. Mais après, je sais pas de où ils se basent. Ils se basent certainement pas au niveau du poil parce que ça fluctue tellement. Donc ils doivent se baser là. Mais là, ouais, normalement, c'est ça. Ouais, c'est ça. On est un peu plus de 15. Donc c'est massif, hein. C'est hyper massif. Ça va être super intéressant. Juste pour vous faire un petit comparatif, moi pour l'instant, je peignais surtout, et puis en même temps, ça va me permettre de voir, mais à mon avis, ah, ça ne rentre pas dans ma boîte. C'est pas grave, je trouverai une solution. Moi j'avais celui-là, qui est là pour le coup, c'est du vrai petit gris. On va faire une petite comparaison, tiens. Là, c'est du vrai petit gris que j'ai depuis, je vous en avais parlé de celui-là, hein, je l'ai depuis mes premières années de fac. Donc l'avantage c'est que ça tient, l'avantage c'est que ça tient, le désavantage c'est que c'est du petit gris, et je me suis renseigné récemment sur vraiment comment ils font pour prélever le poil du petit gris. C'est pas joli, joli les copains, c'est vraiment pas top, ça me fait regretter vraiment de l'utiliser, je vais pas vous mentir. Donc là, poil synthétique, alors bon, c'est au moins on fait pas chier des animaux, on fait chier la planète de manière générale, je sais pas si c'est mieux. Alors en tout cas, voilà, on martyrise pas un animal pour faire ça. Donc bon, je me dis, mais bon, en même temps, est-ce que ça participe à la déforestation, tout ça? Enfin, pas les arbres directement, mais le fait de tout faire. Là, c'est quasiment que du pétrole, hein, en fait, hein, visiblement. C'est que du plastique, c'est que de la résine, bon, c'est que du pétrole, ça, les copains. Donc je sais pas si c'est mieux, à part ça, voilà. Même ça, ce qu'ils ont mis là. Alors j'espère que ça va tenir. Je sais plus qu'est-ce qu'ils utilisaient pour faire la bague juste ici. Mais en tout cas, celui-là, je vous dis, hein, celui-là, je l'utilise depuis pas mal d'années, il tient, il n'y a aucun problème. On verra bien celui-là, mais je doute pas, vu la qualité du truc, j'en doute pas. Bon bref, on est toujours sur un. Je vais laisser celui-là de sortie et puis on fera un test. Et ouais, ça passera pas du tout. Quel dommage, Madame Chombier. Alors, on a celui-là donc, et on va tout de suite ouvrir la petite nouveauté, hein, parce que c'est ça qu'on veut, c'est pour ça qu'on est là. J'ai ouvert du mauvais côté en fait. Visiblement, ça s'ouvre plus de ce côté-là, non? Je ne sais point. Non, en fait. J'ai l'impression quand même que. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus pratique de ce côté-là. Voilà, et celui-là, leur petite nouveauté qui m'a tapé dans l'œil, voilà le bazar. Celui-là, je vous avoue que quand je l'ai vu, j'ai fait oh putain. Parce que, alors. Moi, je catégorise ça un peu dans les traînards et dans les ligneurs, dans les pinceaux ligneurs aussi, qui vous permettent de faire de la ligne, en fait, de travailler de la ligne. Celui-là est quand même hyper beau. Ce avec quoi j'avais du mal dans les pinceaux traînards, c'est que soit on a de la belle fibre type soit synthétique, soit généralement poil naturel, martre et petit gris,
qui ont une super pointe hyper fine mais qui se tiennent pas. Je vous avais montré, hein, le problème du petit gris, c'est quand on commence un trait avec, ben, en fait le poil va garder un peu la forme. Donc il faut jouer avec ça, hein. Ça donne un style hyper organique, c'est hyper intéressant, mais si on veut une pointe fine constante qui se tient, bah, c'est pas idéal. Et sinon, vous avez soit du poil synthétique vraiment, vraiment synthétique classique, où là du coup il se tient, il va être nickel au niveau fut. Rigidité entre guillemets du poil. Par contre, il va perdre de son, il va faire un truc un peu bombé au bout. Il va perdre de sa finesse de pointe. Voilà. Donc j'avais du mal à trouver le compromis entre les deux. Là, on va voir un petit peu ce que ça donne, mais en tout cas, il est beau. Hein. Il est super bien fait. Pareil avec ce même système de préhension et tout ça qui est super intéressant. Bah écoutez les amis, on va tester tout ça quand même. On va faire un petit test vite fait. Je vais peut-être faire quand même une petite illustration avec, parce que j'ai envie de me lancer avec pour voir ce que ça donne. J'avais sorti quoi? J'avais sorti mon gros, je me suis dit on va lui faire honneur, on va tout de suite attaquer le rouge avec pour voir un petit peu ce qu'on arrive à en tirer. Et on va tester ça. Je pense que j'avais pas d'autres choses à vous dire là-dessus. De toute façon, je vous mets les liens, tout ça en commentaire, vous irez jeter un œil. Mais en tout cas, là pour l'instant, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Je ne sais pas s'ils ont mis la même description pour les deux, je suppose que oui, comme c'est la même gamme. Comme c'est Unico dans les deux cas. Je suppose que oui. Expérience. Ouais, non, c'est la même chose. Et donc, ouais, ce qu'ils appellent, ce qu'ils ont qualifié breveté hydrofibre. Donc, logiquement, je suppose qu'en effet, c'est comme avec les Raphaël, ils ont réussi à faire une fibre synthétique qui va vraiment conserver beaucoup d'eau. Alors que normalement, le plastique, c'est hydrophobe. Bref, on va faire un petit test déjà vite fait, vraiment, pour voir ce que ça donne. Juste là, j'avais fait quelques tests sur cette page-là, on va voir un petit peu. Hop, on va sortir toute la machinerie. Tac, et on va voir un petit peu ce qu'on arrive à tirer de tout ça. On va commencer par lui. On va commencer par lui. Alors, normalement, toujours pareil, hein, je le dis, mais si vous recevez des nouveaux pinceaux, il y a toujours une espèce de colle au-dessus. C'est normal, c'est pas le poil qui est rigide, c'est parce que certains me disent ça quand je leur conseille des pinceaux. Ils me disent, bah ouais, mais c'est rigide quand même. Je dis, non, 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 c'est la colle qui est là-dessus, il faut le diluer à l'eau, et vous aurez quelque chose de beaucoup plus souple. Donc on va voir ça tout de suite. Tout est bien collé, on est bon. On est bon, ça je vais l'enlever du coup. Ça, je vais le conserver, je me dis potentiellement, ça pourrait m'aider. J'arrive jamais à bien les remettre, mais bon. On sait jamais. Hop. Bon, alors déjà, je peux vous dire que en effet, on sent le synthétique. On a un poil qui est quand même bien rigide. Putain, je vais bouffer toute ma feuille par contre avec celui-là. On va faire juste un trait avec celui-là. De toute façon, je vais attaquer un fond avec. Et on va bien voir ce que ça donne. On va bien enlever la colle. Je pense que potentiellement, enfin potentiellement, pour faire les choses vraiment bien, il faudrait que je rince mon eau juste après pour pas qu'il y ait de résidus de colle dedans. Là, c'est juste un test, on va y aller comme ça, les copains. J'ai pas non plus énormément de temps, donc on va pas se. En même temps, c'est juste de l'eau à vider, c'est pas non plus. Écoutez, je vais voir, peut-être. Bon, voilà, je pense que là, j'ai bien. Ouais, si, on va rincer l'eau, allez. On va faire bien, on va faire les choses bien, on va faire les choses bien. Oh là 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 là, le bazar, il est trop beau! Excusez-moi. Je suis fort épanoui. Je sais pas si ça s'entend, mais. Oh putain. Il est lourd, hein. Par contre, il est lourd, forcément. Hein. Il est lourd, mais on a une belle prise en main. C'est pas con du tout, hein, cette histoire-là. Hein. C'est pas con du tout. Parce qu'on peut vraiment le prendre de plein de manières différentes. Ça scie à tout le monde. J'espère juste qu'il va bien tenir dans le temps, j'espère. Hein. Je pense qu'ils ont bossé leur truc, hein, les gars. Vous savez quoi? On va faire les deux. On va faire les deux pinceaux. Je vais enlever les résidus de colle sur les deux pinceaux, comme ça. Hop, je suis tranquille. Et on va aller rincer ça et on va aller tester ça. Et alors celui-là, attention. Va le chahuter un peu, hein, pour voir s'il revient bien. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Putain, il revient bien en place. Il revient bien en place, c'est pas mal du tout, hein. J'espère que vous voyez. Hop. Cras, c'est pas mal du tout. C'est pas mal, les copains, c'est pas mal du tout. Oh ouais, dis donc, on a une pointe, Pouchou. Bon, j'espère qu'il va rester comme ça. Parce que s'il reste comme ça, les amis, ça risque fort de devenir mon nouveau bébé, hein.
Hop, allez, je vais aller rincer l'eau, changer l'eau, parce qu'en effet, il y a un beau résidu de colle dessus quand même, hein, on le voit un peu en surface. Hop, et on est de retour. Allons-y, allons-y, et commençons par le gros. Oh, celui-là, il va falloir que je fasse du plus grand format, je pense, hein, parce que là. On va se faire quoi? Tiens, on va repartir sur le bleu. Oh putain, il est énorme. Énorme, énorme, les Denis. Pas vous mentir, c'est fort plaisant. C'est fort plaisant en main déjà. Juste bien l'imbiber pour voir un petit peu. Hop. Alors je vais pas vous faire le truc de combien de temps il tient parce que là, j'ai pas de comparatif avec un autre. Mais parce que et puis ça va me bousiller. Je pense que je tiens. Je pense qu'on fait un sacré remplissage avec celui-là. Hein, je pense. Je testerai un coup, mais il me faudrait un autre. Il me faudrait un autre de ce format-là pour vraiment comparer. Parce que là, niveau rétention d'eau, on est bien. En tout cas, on le sent. On le sent. Il est bien lourd au-dessus, donc on a une belle rétention d'eau. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. On a une belle base bien bombée. Donc l'accumulation, la rétention d'eau se fait très très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et on arrive. Alors attendez, je crois que j'ai des petits poils qui se baladent quand même. On va essayer d'enlever au maximum. Ah non, alors est-ce que j'ai un petit poil qui a été mal. J'ai l'impression, ouais, j'ai un tout petit poil qui a été mal coupé. On va essayer de rectifier ça, les amis. Parce que sinon, ça va me faire un espèce de truc un peu effilé. Oui, je sais, j'ai pas peur. Il y a vraiment juste un poil qui dépasse. Hop, voilà. Ouais. Beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Allons-y. Allons-y, allons-y. Alors, niveau finesse de trait déjà. Oh putain. Ah oui, quand même. Ah ouais, quand même. Ok. Ouais. Ok, ça rigole pas. Hum, c'est ouf. C'est ouf parce que là, après, là, j'allais dire, je suis précis sans être précis. Si je veux vraiment être précis. Je retrouve la pointe, mais bon, je suis à peu près au même trait, mais ah ouais, c'est pas mal, hein? C'est pas mal parce que là, regardez les copains, on va faire un petit truc. Voilà un peu l'envergure du machin. Pas mal, hein? C'est quand même pas mal. Je suis parti sur une couleur un peu légère, donc elle se voit peut-être pas forcément. Mais on va en refaire un avec un truc un peu plus forcé là. Ah là, on est un peu plus imbibé là. Oh. Pardon. Le machin quoi. Non, mais ça veut dire que si on l'éponge un petit peu, on peut retrouver. Ouais, voilà, on peut vite retrouver cette finesse de trait, c'est ouf. Alors, comme le petit gris et tout ça, c'est des pinceaux qui demandent une certaine maîtrise hein, quand même. Mais vous voyez ce que je vous disais, voilà, ce que je vous disais. Si je l'applique, je vais le refaire vite fait là-dessus hein, pour qu'on voit. Mais si je refais un gros trait comme ça et que vraiment je l'appuie vraiment fort, voilà ce qu'on a. Ok? Je le laisse comme ça pour que vous voyez bien. Si je refais. Même principe avec un petit gris, un vrai petit gris, vous allez voir, c'est pas logiquement. C'est pas la même tisane, les copains. Vous allez voir, hop. Bien l'imbiber aussi. Il est très bien, hein, je l'adore, mais vous allez voir ce que je sous-entends par le fait que le poil ne se tient pas. On est un peu sur la même chose, c'est vrai, c'est vrai, c'est pas très convaincant ce que je viens de faire. Alors attendez, est-ce qu'il faut que je le donne un peu plus? Non, vous voyez, il garde sa forme alors que celui-là. Alors attendez, j'espère que je vous dis pas de conneries quand même. Plus je vais le travailler, voilà, plus je vais le travailler et plus. En fait, parce que là, il est imbibé d'eau, mais plus il va garder sa forme et plus il va se donner sur le côté.
Un peu plus, beaucoup plus quand même que celui-là, quoi. Beaucoup plus. Mais après, voilà, c'est juste une gestion, hein, c'est juste une gestion différente. Et là, on est sur un poil un peu plus fin. Bon, c'est pas hyper, hyper, hyper convaincant ce que je dis. Bah, vous le voyez, je sais pas si vous le voyez, moi je le vois, mais c'est vrai que c'est. Si vous vous attendiez à un truc beaucoup plus net, en effet, ça peut prêter à confusion. Mais là, vous avez quelque chose qui part nettement plus en biseau, et là, vous avez quelque chose, on sent que le poil, il est quand même beaucoup plus résistant et qui revient petit à petit à sa forme initiale. Là, il va rester comme ça. Il va rester comme ça. Ça peut même être embêtant. J'ai eu le coup avec un petit gris que je n'ai plus d'ailleurs parce que j'ai dû. Si vous le laissez sécher, remettez-le bien droit quand vous le laissez sécher parce que sinon, s'il sèche comme ça, les poils peuvent garder un peu la forme et du coup, vous allez avoir cette forme-là un peu naturellement. Donc voilà, je vous le dis au cas où. Bon, c'est vrai que c'est pas hyper fly. Enfin, si, moi je le vois, hein, pardon, moi je le vois, mais bon. C'est vrai que, ouais. Enfin bref, voilà, vous voyez un petit peu l'idée de ce que je voulais dire avec le petit gris. C'est très très léger, mais après forcément, ouais, ça va plus se sentir à la pratique que flûte, que juste comme ça visuellement. Vous allez vite sentir que le poil revient rapidement à sa forme initiale, chose qui est moins vraie avec le vrai petit gris. Mais en tout cas, c'est balèze, ne serait-ce en tout cas, sans parler, sans rentrer forcément là-dedans, qui est un détail technique qui va potentiellement intéresser que moi, mais sans rentrer là-dedans, le fait qu'on fasse pas chier des animaux pour réobtenir à peu près le même résultat, rien que ça, c'est quand même un argument de poids. Et puis rien que ça, sur le fait que les copains, pour cette taille-là, je pense qu'on est quasiment au même prix, hein. Moi, à l'époque, celui-là, j'avais dû le payer une bonne vingtaine d'euros, et là, pareil, hein. Là, on est à 25, 27? Un truc comme ça. Donc franchement, peut-être une trentaine quand même. Mais bon, à la différence de trucs, c'est quand même balèze, quoi. Bon bref, celui-là, hop, très très bien. Oh putain, il est super super agréable. Par contre, il passe pas, je pourrais pas l'emmener avec moi, ça fait chier. Bref, c'est pas bien grave. Et celui-là, surtout, voilà, celui-là, qui va être vraiment intéressant. Hop, je fous de l'eau partout. On va voir un petit peu ce que ça donne. Pas habitué les traînards et les ligneurs, le peu de fois où je les ai utilisés, j'avais trouvé ça pas agréable du tout parce que justement la maîtrise était compliquée. Donc on va voir ce que ça donne avec celui-là. On va voir ce que ça donne. Bon, je pense que je vais flinguer la page entière, hein, comme c'est parti. Bon, déjà. Même imbibé de flotte, on garde quand même une belle pointe, hein. Y a rien à dire de ce côté-là. Et au niveau de la tenue. Ouais, ok. Oh, aïe, 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 aïe. C'est pas mal du tout, hein? Pourtant, regardez, c'est fou quand même, parce qu'on a quand même on avait une belle goutte qui s'était accumulée. Malgré la goutte, on arrive à avoir quelque chose de. Oh putain, quelque chose d'hyper fin, c'est fou. Et l'idée justement de ce pinceau-là, c'était. Ah là, j'ai une belle goutte quand même. Ah flûte, je suis en train de la faire partir. Je pense que si je reste comme ça, quand même, au bout d'un moment. Voilà, je sais pas si vous la voyez, j'ai une belle goutte qui s'est accumulée au bout. Là, je pense qu'elle va tomber si je. Donc ouais, il faut se. Ouais, voilà, faut se méfier quand même. Faut se méfier quand même au niveau de la rétention. Peut-être le remettre de temps en temps comme ça pour pouvoir récupérer une belle pointe fine. Ouais, voilà. Mais putain, la finesse, elle est folle. Elle est folle, 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 folle. Et au niveau, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal, putain. Ce que j'aimais bien, c'était que la personne que j'avais vue en vidéo l'a travaillé un petit peu comme ça aussi. Pour avoir justement des effets. Je sais pas si on peut faire du remplissage et de la. Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud de faire du remplissage en précision avec, mais c'est quand même jouable. C'est vraiment plus intéressant pour le trait, quoi. Ça va demander beaucoup de maîtrise. Je vais vraiment devoir apprendre à le maîtriser, mais en tout cas, au niveau du flûte, de la finesse de trait et de la tenue, même quand on l'appuie bien, c'est balèze, hein. Il revient vachement bien en place, c'est fou. Même sur du sec, parce que là, j'ai quasiment plus de flotte dedans.
C'est balèze, c'est vraiment balèze. Oh putain. Ouais, non, c'est canon. C'est canon, c'est canon, ils ont géré. Ils ont géré, hein. Il n'y a pas à dire. Bon, allez, bah, on va tester tout ça en live, hein. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ce que j'arrive à faire avec juste ces deux-là déjà. Je pense que niveau envergure, je pense qu'on est pas mal. C'est pas mal, hein. C'est quand même vachement, vachement sympa au niveau de la tenue. Est-ce que ça c'est sec? Oui. On va essayer de se faire un petit portrait. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire, les amis? On va se faire. Hop là, sans tout renverser. On va se faire un petit portrait, on va continuer un petit peu sur Stranger Things parce que je m'étais bien amusé sur le portrait de l'autre et on va se mettre sur. Comment il s'appelle? Bref, le shérif. Désolé, le nom ne revient pas, c'est fou. On va se faire le shérif. Par contre, on va se faire le shérif qui est actuel, qui est moi où j'en suis, il est encore un prisonnier, tout ça. Donc pas de spoil. Hein. Et par contre. Depuis que je me suis fait mon petit chevalet sur lequel je vais vous faire une petite vidéo mise à jour, je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de mal à dessiner comme ça, en ayant le truc complètement à plat. Donc je vais quand même essayer de le relever, au moins qu'il soit là. Parce que je vous avoue que sinon, je me galère vraiment. Je l'ai vu au dernier live. Donc en attendant de me prendre. Parce que le chevalet que j'ai, il ne va pas aller pour ça. Il ne tiendra pas. À moins que je le fasse vraiment à l'arrache et que je le mette juste en dessous. On va faire ça, en attendant. On va juste faire ça. Hop! Ah, vous allez voir en avant-première du coup les modifs que j'ai fait dessus. Je vous dis rien pour l'instant. Je vous dis rien, je vous ferai une vidéo dessus pour que vous voyez le truc. Voilà, là ce sera un peu plus intéressant. J'espère que ça ne va pas gêner. Vous gêner au niveau de la vidéo. On fait un premier test comme ça et puis on verra si ça gêne au niveau de la vidéo. Je trouverai une autre solution. Toi, tu vas aller là. Voilà. On va y arriver, nom de Dieu. Bon, j'espère que ça donne quoi? Si vous allez quand même voir un petit peu ce qui se passe, ce sera un petit peu en biais. Mais ouais, je vous avoue que c'est quand même plus sympa pour moi comme ça. Ouais, on fait un test, on fait un premier test comme ça. Si je vois que c'est pas intéressant pour vous au niveau de la vidéo, bah je trouverai un moyen de peut-être avoir baissé un petit peu la caméra, tout ça, pour avoir un angle plus intéressant. Je verrai bien. Je vais faire un premier test et puis on verra bien. Bon, pour ce petit portrait, on va se grouiller quand même parce qu'il est déjà 10h30. Pour ce petit portrait, on va essayer de faire quelque chose de vif aussi en peu de temps. Et du coup, on va repartir comme j'ai l'habitude de faire. On va faire un petit croquis au bleu parce que j'aime bien le bleu, si vous ne l'avez pas encore compris. Vraiment vite fait, juste pour hop, placer des éléments. Oh là là, la taille du pinceau. Bon, en tout cas, ouais, là, clairement, hein, je l'avais déjà dit avec les léonards, j'avais déjà été convaincu avec les léonards, mais la fibre synthétique qui imite le petit gris, chez léonard, c'est très très bien, et chez Bortiani et Bonaldi, c'est très très bien aussi. Pour l'instant, j'ai pas forcément de. Il faudrait que je teste un gros comme ça chez léonard, j'essaierai de m'en trouver un pour voir vraiment, parce que c'est sur les gros modèles qu'on voit la différence. Hein. Un petit poil qui dépasse aussi. En même temps, sur ce format-là, c'est un peu normal. Ah! Mon pinceau qui goûte. Moi, je reste comme ça, hein, comme un con. Mais en tout cas, chez Léonard, leur gamme de pinceaux vegan que j'ai testé en vidéo, si vous l'avez vu, je la mettrai en description aussi. C'est canon. Ils ont fait du super bon boulot. À un prix super attractif aussi. Donc, foncez, les amis, foncez. Allons-y. Allons-y, allons-y. Ça va, tout est bon, ta-ta-ta, oui, hop. C'est que ça boit ces petits trucs, hein. Sur ces gros modèles comme ça, il faut que j'apprenne à maîtriser le taux d'eau que j'ai dedans. Bon bref, allez, c'est parti. Fait trois fois là. Faudrait que j'essaye avec autre chose que du bleu aussi à un moment donné quand même.
Ça aussi, un truc, si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à tester, c'est de faire toute la première partie du dessin vraiment en main levée. Vous ne posez pas votre main. C'est un principe, vous allez voir, c'est tout con, mais là aussi, hein, c'est assez connu comme truc. Vous allez certainement me dire, bah oui, quand même, tout le monde sait ça. Mais moi, c'est un truc que j'ai vraiment acté il n'y a pas longtemps, mais du coup, je m'oblige. Là, j'avais posé ma main et maintenant, je m'oblige à la garder vraiment au-dessus parce que je me suis vraiment rendu compte que. Hop, ça change pour les premières couches, ça change, ça permet d'être lâché et ça permet d'être beaucoup plus libre dans son mouvement, quoi, de vraiment de poser la couche, de poser la couche sans avoir de frein dans la main ou ce genre de choses, quoi. Donc c'est assez intéressant. Les aquarellistes que je suis en vidéo, là, dès ce niveau-là, ils arrivent des fois à placer des zones très 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 très, très marquées. Moi, j'ose pas du tout là, à ce niveau-là. Je veux vraiment rester suisse. Hein. Donc, j'ai essayé deux trois fois et j'ai vu que moi, ça me convenait pas en fonction avec ma façon de voir les choses. Donc, du coup, je me force pas. Ça aussi au cas où. Je sais pas si vous êtes dans cette situation-là des fois. Moi, il y a par exemple là, je suis à fond dans Joseph Zbukvitch. Je pense que c'est ça. Je le cite à chaque vidéo, donc vous avez compris. Et je suis tellement à fond dedans que je suis reparti dans cette phase où limite j'essaye de copier un petit peu ce qu'il fait. J'y arrive pas du tout. Hein. Mais du coup, j'essaye un petit peu voilà, ces techniques pour voir un peu si ça me va ou pas. Et avant, quand j'étais plus jeune, je mettais du temps à me rendre compte que c'était pas fait pour moi, qu'il fallait pas que je copie, mais que je digère, ce qui est différent. Il fallait que je digère un peu le style de l'autre. Donc comprendre en fait la différence, c'est ça, c'est pas recopier bêtement en se disant ah bah il fait ça là, je vais faire ça, il utilise telle couleur là, je vais utiliser telle couleur là, ça c'est de la copie bête. Il faut comprendre, il faut se dire attends, il utilise cette couleur là, mais c'est pas cette couleur là qui est important, c'est le fait qu'il rehausse le voilà, qui cherche du contraste, donc c'est le contraste qui est important. Une fois voilà, par exemple pour cet exemple là, et genre quand il fait des coulées, bah voilà, si c'est plus jeune, j'aurais fait ah bah je vais faire aussi une coulée là, parce qu'en effet ça fonctionne bien visuellement. Ouais, ça fonctionne bien dans le sujet qu'il traite, ça fonctionne bien dans la façon dont il le traite aussi. Mais en fait, ce qui est important, c'est juste, encore une fois, c'est la coulée, ce qui est intéressant, c'est que ça va apporter quelque chose de très abstrait et très déconstruit. Mais il faut que ça puisse faire face à quelque chose qui est construit pour que ce soit vraiment pertinent. Après, ça peut être une coulée comme ça, mais c'est beaucoup plus intéressant si on arrive à lui donner un sens, à cette coulée, voilà. Les deux exemples donnés. Donc ouais, il faut apprendre à digérer et pas forcément à copier. C'est pas simple, hein, c'est pas simple parce que moi je tombe vraiment amoureux de certains styles, vraiment. Hein, c'est pas un mot que je balance comme ça. Et du coup j'ai tellement envie de, dans ma tête ça fait tellement, mais c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça qu'il faut que je fasse, que c'est très dur de me dire non non non, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu t'appropries ce qu'il fait. C'est pas pareil. Enfin bref. On se concentre un petit peu. J'aime bien y aller en grosse touche comme ça. On peut quand même vachement travailler en finesse avec, hein. C'est assez agréable. Puis de temps en temps, lui redonner une petite forme. Puis plisser les yeux de temps en temps pour essayer vraiment de voir la forme, mais pas oublier le trait, oublier le sujet et voir la forme. Ça, c'est un autre YouTuber, c'est pas un YouTuber, c'est un peintre, illustrateur, tout ça qui est sur YouTube que je suis depuis un moment. Qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, ça fait bizarre, je viens juste de dire que je suis depuis un moment, si je suis pas capable de me rappeler de son nom. C'est Yann Robert, si je dis pas de bêtises. C'est connu, hein, quand même, c'est assez connu. Et qui disait ça, faut oublier le sujet et voir juste des formes. Voilà, faut voir juste des formes et des valeurs. Donc juste des formes pour les contours et des valeurs pour ce qu'il y a de plus clair et plus foncé. Je lui ai fait une tête un peu moins carrée que. que sa vraie tête. Ah ouais, c'est assez chaud à maîtriser quand même, hein. Et ça me demandait un petit peu plus de boulot. Pour que j'arrive à maîtriser un peu plus le pinceau, surtout la taille. Je suis pas habitué.
faire des petits ajustements au niveau de la tête. Essayer de donner une teinte principale. J'y vais un peu au feeling, hein. Peut être sympa aussi, c'est pas complètement mélangé pour avoir un genre de dégradé un peu naturel dans la. Voilà, avoir le jaune qui va se mélanger avec l'ocre directement sur la toile, ça peut être sympa aussi. Là, je pose juste des touches de couleur, on va venir détailler un petit peu tout ça. C'est juste de saisir les endroits les plus sombres. J'ai pas l'impression qu'on est plus dans des tons. On vire tout doucement sur des tons verts, j'ai l'impression. Peut-être pas aussi vert, peut-être pas aussi franc. J'ai l'impression que là, qu'il faut que j'aille chercher un petit peu plus, de manière un peu plus franche, le truc. La teinte, les zones un peu plus sombres. On va essayer de faire ça. On peut travailler vachement finement quand même avec, hein, c'est quand même fort intéressant. On y arrive tout doucement. Comme je le travaille vraiment en mode mouillé sur mouillé, là, je fais juste que noircir certaines zones. Donc, il faut que je garde à l'esprit que c'est ce que je suis en train de faire. Je suis pas en train de rentrer dans le détail. Je suis en train juste de noircir certaines zones. Je vais peut-être même les noircir encore plus, en fait. Je vais finir cette couche-là, un peu marron, là. Après, je vais refaire une dernière... une dernière un peu plus franche. J'aimerais bien garder le côté vaporeux comme ça et venir juste détailler peut-être juste venir détailler les flûtes. Ce que je veux déjà, c'est rattraper la longueur de son visage, parce que là je me rends compte que ouais, c'est pas très intéressant pour vous, hein, vu du haut, hein. Je me rends compte. Vous savez quoi? Hop, on va faire un petit truc, c'est que je vais juste hop venir pencher ça peut-être un peu. Ouais, non, ça va être chaud. J'essaye, hein. J'essaye de rendre ça un peu mieux pour vous. Voilà, je l'ai penché un petit peu. Je sais pas si c'est mieux. Voilà, là je vais venir avec un bleu, je pense, histoire de hop. Ouais, un bleu, ce bleu un peu vert comme ça, je pense que ça peut être intéressant. Je vais remettre une pointe, hop, une petite pointe de marron dedans. Voilà, je pense que là, alors, il faut juste que voilà, je pense que là on est pas mal. Voyons voir. Toujours juste dans le but de noircir. On a quand même une sacrée précision avec.
Alors avant d'attaquer. Ah, ça me saoule, j'ai l'impression de ne pas l'avoir le visage. J'arrive pas à le capter. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. L'autoconviction, l'atout principal du peintre, de l'artiste de manière générale. Toujours être dans l'autoconviction. Faut y croire, faut y croire. Si t'y crois pas toi, personne n'y croira pour toi. En vrai, c'est faux, hein. En vrai, des fois, moi, je trouve des trucs un peu pas top, et puis certaines personnes me disent, mais c'est vachement bien. J'avoue que des fois, c'est un peu compliqué. Allez, 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 allez. Je crois qu'il va falloir que je change de pinceau quand même à un moment donné, hein. Que je passe au plus fin. Parce que là, j'ai l'impression de stagner un petit peu. Hopper, putain, il me revient. Hopper, c'est comme ça qu'il s'appelle. Shérif Hopper. Désolé. Ça m'est revenu d'un coup. C'est ouf que j'arrive pas à déterminer son visage quand même. Qu'est-ce qui m'arrive là? Bon, j'ai jamais été non plus hyper doué là-dedans, mais quand même. Tout de même. Il en va de ma réputation. Bon allez, on va attaquer un peu plus en détail, sauf qu'il faut que j'attende que ça sèche un peu. Je vais juste, hop, essayer d'y aller un peu plus franco. Bon, voilà, allez, on arrête avec celui-là et on va s'attaquer. On va essayer de se brancher en mode un peu plus détail pour donner un petit peu plus de corps là, parce que là, je me galère un peu visiblement. J'ai envie de dire un truc, on va voir si ça va faire machin autoréalisateur là, mais c'est là que c'est intéressant en fait. C'est là que moi, personnellement, là, je suis un petit peu en faiblesse, en dehors de ma zone de confort, et c'est là que ça va être intéressant de rattraper ça, de rattraper. De venir tenter, alors avec un pinceau que j'ai pas l'habitude d'utiliser, mais on va y arriver, on va y arriver. C'est le défi, c'est le challenge. Il faut que j'attende que ça sèche, par contre, pour attaquer cette nouvelle couche. En tout cas, il est bien, au niveau des foncés, c'est intéressant. Et maintenant, on va venir le définir. Essayer de rattraper un petit peu le vrai visage de cette personne tout de même, parce que là, c'est fort léger au niveau de la ressemblance, on va pas se mentir. Oh, j'ai pas l'habitude de l'utiliser, ça va être marrant. Ça va être rigolo. Bon, je voulais faire un petit live tuner, mais ça va être tendu. Allez, si, si. On va y arriver. Je vais juste essayer de. Il faut que je fasse les yeux. Il faut que je rattrape les yeux. Si j'arrive à choper le regard, on sera bon. Bon, en termes de portrait, c'est intéressant. Mais en termes de ressemblance par rapport à l'image de base que j'avais, ouf, on est loin du compte. Très, très loin du compte. Là, voilà, on va poser un petit peu la main.
et se concentrer un petit peu. Il faut réussir à maîtriser l'accumulation qui vient au-dessus là. C'est marrant, ça me force à travailler en trait un peu assumé, quoi, et pas forcément en multitude de traits comme j'ai l'habitude de travailler. C'est rigolo. Ce qui est chiant là, du coup, c'est qu'il faut que j'arrive à faire coïncider les ombres que j'ai faites avec avec la référence, quoi, avec les ombres, les formes que j'ai faites avec les formes de la référence, c'est ça en fait. Il faut que j'arrive à faire. On va y arriver? On va y arriver, j'ai dit. Hop. Toujours être dans un mood positif, parce que vraiment, ça pour le coup, j'y crois vraiment. Si on n'arrête pas de se dire j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, et ben on n'y arrivera pas. Par contre, si on reste dans ce truc de, allez, ouais, ça va être compliqué, mais on va y arriver. Faut se donner les moyens, quoi. Faut se donner les moyens mentalement d'y arriver. Moi, je sais que en ce qui concerne les portraits, il faut trouver la clé. Pour moi, la clé, c'est le regard. Si j'ai le regard, le reste va suivre, à peu près. À peu près. Donc, il faut que j'arrive à rechoper le regard. Et à partir de là. On sera bon. Mais il faut vraiment que j'arrive à le choper. Et c'est encore plus satisfaisant quand on voit qu'on revient de loin, quoi. Là, j'ai l'impression de revenir de loin. Là, j'ai l'impression de tout doucement réussir à cerner quelque chose. Et de revenir de loin. Mais rien n'est encore joué. Il a des yeux énormes. Je lui ai fait des yeux énormes par contre. Je vais pas vous mentir, là tout de suite, je suis pas loin de m'avouer vaincu. Parce que je vois le temps qui me reste. Là, il m'est même venu à l'esprit, mais c'est intéressant, il faut que je partage ça aussi. Il m'est même venu à l'esprit de me dire, oh, dis donc, je vais peut-être pas la sortir en fait cette vidéo. Mais si, je vais la sortir, parce qu'il faut montrer, même quand ça foire, faut le montrer, c'est ça qui est intéressant. Faut montrer aussi que heureusement qu'on a des moments comme ça aussi. Il faut vraiment pas en avoir peur. Faut vraiment essayer de d'en tirer quelque chose de tous les cas. De toute façon, on en tire quelque chose dans tous les cas. Du coup. Faut vraiment garder ça à l'esprit. Comme quoi, tester des nouveaux outils, ça joue un peu quand même. Hein, parce que généralement, je me foire pas autant en portrait. Je sais pas à quoi ça tient. J'essaye quand même. Hein, j'essaye de comprendre. Et je sais pas si c'est. Je crois qu'il y a trop d'informations là dans ce que j'ai fait. Je crois qu'il y a ça. Il y a ça qui entre en ligne de compte, ça c'est quasiment sûr. Et en même temps, je ne fais que rajouter des informations. Par contre, je me dis, je peux peut-être le jouer comme ça. Je peux peut-être. Je tente des trucs, je tente des trucs. J'essaye de voir comment je peux renverser la vapeur. Ouais, il est dur à maîtriser quand même.
pense que c'est un pinceau qui doit être vraiment intéressant quand on fait des choses un petit peu abstraites, mais dès qu'on veut maîtriser un petit peu le truc. J'en reviens là, tout doucement j'en reviens. J'étais super content au début et c'est la réalité qui vient se confronter. Là, clairement, ouais, en termes de maîtrise, c'est quand même chaud. C'est quand même chaud, chaud, chaud. J'ai l'impression de le rattraper un peu, mais c'est tendu, hein. C'est tendu, c'est tendu. Donc là, je sens bien qu'il va clairement pas lui ressembler vraiment, mais au moins ce sera un. Un machin. Un ersatz de Hopper. Non mais du coup, ouais, c'est intéressant. Il faut que quand vous vous retrouvez dans des situations comme ça, où là potentiellement, je pourrais me dire, je pourrais me retrouver un peu dans le cas de la personne qui dit, allez, on déchire tout, on jette, et puis on recommence. Et moi, je suis contre ça. Je suis contre ce truc parce que... Si tu déchires et que tu recommences, en fait, c'est comme si tu t'oubliais, enfin, t'oublies pas vraiment, parce que t'as appris quand même des choses en le faisant, mais c'est comme si t'oubliais un peu quand même tout ce que tu viens de faire. Et donc, je me dis, en fait, faut travailler avec l'erreur, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça aussi, hein, c'est pour ça que je gomme plus, c'est pour ça que j'y vais de plus en plus sans croquis. Ce qui me, en fait, la seule chose dans cette méthode-là qui peut potentiellement vraiment me stresser, c'est quand je fais une commande pour quelqu'un. Quand je fais une commande pour quelqu'un, je me dis, ouais, non, là, c'est pas cool quand la personne paye si tu fais un truc. Mais bizarrement, pour l'instant, j'ai pas eu de faux trucs. J'ai pas eu de faux trucs. Et quand j'en ai, généralement, je lui dis, bah, je t'en refais un. Je t'en refais un. Parce qu'il faut que moi aussi, je sois satisfait. Si moi, je suis pas satisfait, je vais le refaire. Je vais le refaire, mais c'est pas pour ça que l'autre, il n'existe plus. Si, si, il existe encore. Et du coup, il a un vrai intérêt à exister en termes de comparaison. Pour pouvoir se dire après, ah voilà, j'ai compris. J'ai compris là où j'ai merdé. Celui-là, il est quand même beaucoup mieux. Bon, des fois, ça arrive de faire et puis... Et que ça passe pas. Hein, et que ça m'arrive aussi de... Je vais y arriver. De flûte. De refaire un essai et que ça aille pas, hein, et que ça aille pas non plus, et que. Et des fois, c'est juste une question de temps aussi, des fois, c'est juste une question de revenir plus tard, quoi. De laisser un petit peu. Parce que quand on a le nez dessus tout le temps, c'est moi, c'est mon problème, ça. C'est comme j'ai tout le temps. Quand t'as le nez dessus sur ton taf pendant une heure et demie, moi, c'est rarement plus quand même. 2 heures vraiment max. Au bout de 2 heures, je me dis, allez, si je vois que je m'en sors pas, ou peu importe, que je sois satisfait ou pas satisfait, je me dis, allez, là, c'est le temps de, il est temps d'arrêter un petit peu. Et de, voilà, et de prendre un peu l'air, de changer un peu de, visuellement, changer un peu ce qu'on est en train de regarder, et de passer, et de revenir plus tard, quoi. Et du coup, voilà, il faut pas, il faut, enfin, moi, j'essaye de lutter contre ce truc un peu primaire, de se dire, ah, allez, c'est bon, ça me gave et tout ça. Parce que là, c'est un peu ça. Hein. Là, je pourrais très facilement dire, allez, c'est bon, ça m'emmerde. Je balance le bloc d'un côté et puis je reviendrai plus tard. Et pourquoi pas, après, chacun, en fait, en vrai, chacun sa méthode. Hein, c'est pas le, c'est, je dis juste que moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant voilà, de rester motivé, de se dire, ah, cherche un peu plus, creuse un peu plus. C'est là que c'est intéressant, c'est là. T'es pas dans ton, t'es dans un terrain que tu connais pas trop, avec des outils que tu connais pas trop, c'est là qu'il faut creuser, c'est là qu'il y a quelque chose qui peut se jouer. Donc si entre guillemets, pas abandonné, mais si entre guillemets tu changes, tu vois, tu te dis, t'es démotivé, si t'arrives à une espèce de démotivation, bah, c'est quand même un peu problématique, quoi. C'est quand même un peu problématique, déjà en termes de j'allais dire de professionnalisme, moi je le mets un petit peu là-dedans. En termes de professionnalisme, ça veut dire que si tu rencontres une grosse difficulté, tu vas tout envoyer chier. Non, 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 tu tiens le bout, tu tiens la barre et machin, et tu passes la tempête, et puis ça va aller, ça va le faire. Le ciel bleu revient, le ciel bleu revient toujours. Petite métaphore.
Non, mais bref, mais voilà quoi, faut vraiment pas se, entre guillemets, se laisser abattre, voilà, se laisser abattre en tout cas. Si après, voilà, c'est parce que je dis chacun son truc, parce que aussi on peut très bien dire, allez, là je sens que ça sert à rien, je vais m'énerver, tout ça, donc en effet, on arrête et puis on revient dessus plus tard. Donc ça peut être une méthode de le faire comme ça, mais en tout cas, faut pas rentrer dans ce truc de frustration qu'on a du mal à gérer et qui fait qu'on en vient à déchirer son truc un petit peu et voilà, et dire, ah, ça m'emmerde, voilà, machin. Enfin, tout ce truc-là, je le trouve vraiment dommage. Je le trouve vraiment dommage parce que c'est pas comme si tu étais en train de faire un boulot, entre guillemets, un boulot à la con ou une activité ou du jeu vidéo, des trucs comme ça. C'est de toi que tu es en train de donner. Donc si en donnant de toi, tu arrives à ce truc de frustration, je m'exprime super mal. J'arrive pas à vraiment mettre des mots sur ce que je veux dire. Je suis désolé. Essaye de réfléchir. Attends. Essayer de réfléchir un peu. Sous-entendu, je ne réfléchis pas. Bon, et puis il me reste 10 minutes. Bon. C'est pas encore ça. C'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça, mais au moins ça prouve entre guillemets mon point. Ce que j'essaye de faire comprendre. Mais en fait. Attendez, en fait j'ai ça aussi. Pourquoi j'ai fait une ligne là? C'est ça qui est étonnant. J'ai l'impression que. On est plus sur un truc comme ça au niveau du flûte, au niveau du cou. J'ai fait une espèce de ligne un peu grosse. Alors est-ce que c'est ça qui va changer la donne? J'ai des doutes quand même, mais bon, j'ai l'impression quand même que ça va rentrer en ligne de compte. Bon, je commence à m'amuser un peu plus avec le pinceau. Il faut vraiment apprendre à le maîtriser. Hein. Il y a rien d'autre à ajouter. C'est un pinceau super intéressant, mais qui demande quand même, qui demande un bon temps d'adaptation. Une vraie compréhension, hein, une vraie compréhension du pinceau, hein, tout simplement. Allez, je vais bientôt devoir arrêter. Bon, c'est pas fou, hein. C'est clairement pas fou ce que j'ai fait, mais je pense que quand je vais revoir l'évolution du truc, je vais me dire, hey, quand même. J'ai ma petite fierté d'avoir réussi à aller au bout déjà, à pas avoir abandonné. J'étais pas loin, hein. J'étais pas loin. Je vais vraiment pas vous mentir, j'étais pas loin de me dire, allez, là ça sert à rien. Au pire, tu refais une vidéo, c'est pas bien grave. C'est pour vous montrer aussi que soit avec n'importe que vous utilisiez quoi que ce soit, à partir du moment où vous ne faites pas que du noir, en fait, que vous faites de la couleur et que vous superposez des couches de couleurs, ben en fait, tout est quand même rattrapable. Tout est quand même rattrapable. Il faut vraiment pas. Comment dire? Pas avoir peur, quoi. Vraiment pas avoir peur. Non, par contre, en termes de finesse, c'est canon. C'est canon. Je vais laisser ses lèvres un peu, ouais, un peu. Je vais pas rajouter une couche de couleur là. Il aura ses lèvres comme ça et puis ça ira très bien. Hein, pour commencer à m'emmerder. Et j'ai pas le temps. De toute façon, j'ai pas le temps. T'as la vidéo qui devait durer que 1 heure. Je crois que je suis bien à 1 heure et demie, voire 2 heures là. Ça va encore me demander un peu de temps. Heureusement que j'ai pas un gros montage à faire, mais quand même. Par contre, c'est surtout ça. Falloir que je rachète de ce bleu là, hein, de chez Kuretake, parce que j'en ai pratiquement plus. On a toujours l'impression qu'il a la bouche un peu fermée. Allez, il me reste 2-3 minutes là. Il faut vraiment que je m'active. Bon bah voilà les copains, on y arrive tout doucement. Je vais essayer de refaire juste quelques. Qu'est-ce que j'aurais potentiellement oublié? Bon, je lui ai fait des yeux énormes. Des yeux un peu globuleux quoi. Un peu fort globuleux.
J'ai envie de me dire, touche plus à rien là, c'est bon là. Allez, on s'arrête là. Bon. On va pas se mentir, c'est pas ouf du tout. C'est pas ouf du tout, mais je trouve que pour ceux qui suivront le processus de la vidéo, je suis revenu de loin quand même dans ce que j'avais fait. Donc il faut que je processe un peu tout ça dans ma tête pour voir un peu là où j'ai merdouillé. Bon, ça rend pas du tout hommage à flûte, à l'acteur, à la référence et tout ça. Hein, désolé. En même temps, hein, vous savez que. Un petit peu le style de dessin que je fais maintenant quand même. Mais intéressant, vraiment intéressant en termes de pinceau, d'avoir quelque chose de vraiment, en effet, très organique, très difficile à maîtriser, mais quand même hyper intéressant. C'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. C'est vraiment, ça me fait réfléchir tout ça. Bon, bref. Sur ces bonnes paroles, bah voilà, si vous avez des questions, tout ça, faut vraiment pas hésiter, je vous mets tout ça en lien de toute façon. Je vais les pratiquer un peu plus, histoire de vraiment de les saisir, de les comprendre et de voir un petit peu ce que je peux faire avec. Et puis voilà. Voilà. En tout cas, voilà. Grand message aussi de cette vidéo. N'abandonnez pas, il y a toujours un truc à faire. Il y a toujours un truc à tenter, à, voilà. Il faut aller au bout du truc. Bon, bref. J'espère que ça vous aura plu quand même. Et puis, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Merci pour votre temps. Et puis, à la prochaine. Salut, salut!